Salut les sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je vais te montrer un exercice pour exploser les épaules avec seulement un seul exercice et avec seulement un seul matériel à la maison sans aller du coup en salle de sport. Tu auras besoin d'une bande élastique ici verte que je me suis procurée à Decathlon. Je trouve que c'est pas cher du tout, 7 euros. Alors après, plus tard, peut-être que j'aurai ma propre marque de bande élastique, mais à ce jour, je te propose de d'en acheter une. C'est vraiment pas cher et c'est très efficace pour renforcer tes épaules. Je vais te montrer comment te placer. Regarde bien. Alors, tu as en fait différents niveaux. Je te montre du débutant jusqu'à le niveau expert. Pour le débutant, tu as les pieds joints. Ici, l'élastique est sous tes pieds. Et en fait, le mouvement, c'est tu vas simuler un mouvement d'élévation avec les haltères. Ici, hop, et tu descends. Tu vois, au niveau de la respiration, il n'y a pas trop de règles. En plus, la charge n'est pas très importante ici. Donc, moi, ce que je te propose de faire, c'est soit d'inspirer pendant la montée, ou soit éventuellement d'expirer pendant l'effort. Ça se tient aussi, il y a plusieurs écoles. Le plus important, c'est que tu respires et que tu inspires régulièrement. D'accord ? Après, c'est vrai que pour des efforts très intenses, moi, j'aime bien souffler en fin de mouvement et rester légèrement en apnée pendant le mouvement et souffler à la fin, c'est-à-dire en faisant… Tu vois ? Mais tu choisis encore une fois à partir du moment où la respiration est régulière et que tu apportes suffisamment d'oxygène et que tu expires régulièrement, il n'y aura aucun problème. Après, à savoir, pour des charges bien compliquées, comme je viens de te l'expliquer, petite phase d'apnée et à la fin du mouvement, tu souffles rapidement. Ça, en tout cas, c'est mon truc. Alors, je te rappelle, pour le mouvement débutant, pieds joints, le mouvement, je te rappelle ici, tu fais des élévations latérales ici. On peut inspirer et descendre. Ça, c'est le niveau débutant. Je te montre de profil ici. Ok, là, tu inspires. Tu vois, ici, on lève les coudes au niveau des épaules et on descend. D'accord ? Maintenant, si tu veux compliquer un petit peu plus, regarde bien ce que tu peux faire. Tu peux écarter la largeur de tes pieds. Là. Alors, par exemple, au niveau de la hanche, plus tu vas écarter tes pieds, plus en fait la charge va être importante. Et donc, ça sera un peu plus compliqué. Et on peut estimer que ce niveau soit un niveau intermédiaire. Donc là, soit on inspire, soit on expire et on relâche. La chose la plus importante à retenir pour ne pas te blesser, c'est bien entendu de serrer tes abdominaux pendant tout le mouvement. Donc, je te montre aussi de profil. Là, je contracte mes abdominaux, je regarde devant moi, je n'ai pas le cou devant, d'accord? Donc, je suis droit. J'imagine un fil qui tire par-dessus la tête. Ça, c'est important pour garder le dos bien droit, d'accord? J'inspire ou je souffle. Et je descends. Toujours avec les abdominaux engagés, même pendant la descente. Et pour rappel, la phase où tu descends, ça s'appelle la phase excentrique. Et la phase où tu vas monter dans ce mouvement, ça s'appelle la phase concentrique. Si tu veux compliquer encore un petit peu plus, tu peux encore écarter la largeur de tes pieds, mais en plus, tu peux également jouer sur la distance avec tes mains. Donc, plus tu vas rapprocher tes mains de tes pieds, hein, ici, et plus en fait, ça va être compliqué. Regarde. Ah, tu vois, là, ça va être bien plus compliqué. Plus tes mains se rapprochent des pieds, bon, forcément, le bras de levier est encore plus important, et encore plus dur pour générer plus de tension sur le groupe musculaire de tes épaules, là, ici, d'accord? Maintenant, si tu veux chercher un mouvement plus complet, et donc encore plus complexe, là, tu vas rapprocher un peu plus tes pieds parce que tu verras que sinon c'est infaisable. Tu peux jouer, encore une fois, sur la distance de tes mains. Encore une fois, plus tes mains se rapprochent de tes pieds, plus le bras de levier est important et plus ça sera compliqué. C'est à toi de voir. Tu peux aussi chercher un mouvement complet, là, au-dessus de la tête. Et soit ça se rapproche à un mouvement du développé militaire pour les connaisseurs en musculation. Donc là, je passe en fait par un mouvement similaire au début. Ensuite, les mains vont regarder devant moi. D'accord ? Je monte au-dessus de la tête. Je décompose le mouvement. Là, je passe devant mon corps. Là, elle vient devant mon corps. Je refais le mouvement similaire que je t'ai montré en début de la vidéo. D'accord ? En phase de retour, je monte. Les mains restent pour l'instant face à moi et ensuite quand je vais monter, je vais faire une petite rotation, les mains vont se retrouver face à toi et je remonte. Donc en mouvement linéaire sans m'arrêter, ça fait ça, je monte et au-dessus de la tête et je reviens. Et là je peux dire que c'est super chaud. Encore une fois, tu peux jouer sur la distance de tes pieds
écarter les pieds pour compliquer le mouvement, rapprocher les mains de tes pieds encore une fois pour chercher à compliquer plus. Et à l'inverse, si tu veux simplifier plus, tu ramènes tes mains un peu plus vers le haut et tu effectues le même mouvement. Maintenant, si tu veux faire un mouvement complet avec un niveau plus intermédiaire, eh bien tu fais la même chose, les pieds joints. Et là, tu te souviens, plus tes pieds sont joints et plus ça sera facile. Là, tu vois, là, c'est beaucoup plus facile. Et l'idée, si tu veux vraiment exploser tes épaules, je t'invite à chercher tes limites, à chercher justement à faire des séries des répétitions qui seraient propices pour la prise de masse musculaire. Encore une fois, il n'y a pas réellement de règles, mais dans les études qui ont été menées, c'est vrai que les fameuses 6-12 répétitions maximales marchent bien. Après, bien sûr que tu peux prendre de la masse musculaire en faisant 20 voire même 30 répétitions à partir du moment où tu travailles jusqu'à l'échec. Moi, je t'invite à varier les plaisirs, à travailler en grande fourchette entre 6 et 12, mais pourquoi pas varier également, faire plus de répétitions à partir du moment, encore une fois, où tu travailles jusqu'à l'épuisement musculaire. C'est ça qui va te permettre d'avoir surtout une bonne prise de masse musculaire. Et puis de toute façon, ça permet de varier les plaisirs, de varier les entraînements, l'hypertrophie sarcoplasmique et l'hypertrophie justement du glycogène musculaire qui va grossir le glycogène musculaire. Ce sont tes réserves d'énergie dans tes muscles qui vont prendre de l'espace. Et ça, ça va donner l'impression aussi d'avoir un muscle bien plus gros. Mais tu as également l'hypertrophie myofibrillaire. Et comme son nom l'indique, c'est carrément les protéines qui grossissent, hein, ce qui constitue tes muscles. Et donc, ça va faire grossir aussi tes muscles. Dans tous les cas, tu vas prendre du volume. Donc, je t'invite à varier les plaisirs et de chercher, par exemple, ce qui est important, c'est de déterminer combien de répétitions tu veux faire. Si par exemple, tu t'es dit en tête que tu veux faire 12 répétitions maximales, il faudrait que la 13e répétition soit archi compliquée. Donc, à toi de jouer selon la distance de tes pieds pour augmenter la difficulté ou bien à l'inverse, faciliter le mouvement, compliquer le mouvement en rapprochant les mains des pieds ou bien simplifier le mouvement en gardant les mains plus proches de ton corps, d'accord, pour que à la dernière répétition que tu te sois fixée, ce soit vraiment la dernière. Voilà comment tu peux travailler pour exploser tes épaules avec seulement cet exercice qui est très complet. Comme tu as pu le voir, on peut monter les mains au-dessus de la tête. Et moi, je t'invite à faire entre 4 à 5 séries d'une nombre de répétitions que tu auras choisi. Encore une fois, je ne t'impose rien. Après, bien sûr, si je devais te conseiller quelque chose pour commencer, commence par des répétitions plutôt longues pour comprendre et apprendre. Enfin, pour d'abord apprendre à bien faire le mouvement, plus tu vas répéter le mouvement plusieurs fois, plus ça, le cerveau va enregistrer le mouvement et mieux tu pourras le maîtriser. Et puis au fur et à mesure du temps, tu peux varier les plaisirs, tu peux commencer à faire du 20 répétitions maximales. Donc à toi de gérer tes efforts, l'intensité avec la distance de tes mains, la distance de tes pieds pour que la 21e, ça soit pas faisable. Et pourquoi pas la semaine suivante ou bien dans 2 semaines ou voire même dans 1 mois, hein, tu peux créer des cycles complètement différents, courts ou moyens et long terme. Utiliser des séries plus courtes en faisant par exemple du 15 ou du 12 répétitions maximales pour varier les plaisirs. Mais encore une fois, le tout, c'est de travailler jusqu'à l'épuisement musculaire. Le principal, c'est que ce soit la première série qui soit bien effectuée en termes de répétitions maximales. C'est normal qu'au bout de la 2e, 3e et 4e série, avec un temps de pause similaire, avec la charge similaire, que tu fasses moins de répétitions de la 2e, 3e et 4e série. Peut-être qu'à la 2e série, au lieu de faire 20, tu en feras peut-être 15 ou 16, peut-être qu'à la 3e série, tu feras peut-être 14 répétitions et qu'à la dernière série, tu en feras peut-être 12, tu vois, plus ou moins. Ça dépend des capacités, des résistances de chacun. Mais le principal, c'est que tu gardes du coup la même charge avec le même temps de repos pour que tu puisses t'auto-évaluer. Et comme ça, au bout d'un mois, voire donne-toi pour objectif de te fixer ces 4 séries de 20 répétitions. Et tu verras que dans le mois, tu vas progresser, ce nombre de répétitions va augmenter pour la même charge, pour le même temps de repos intersérie, ce qui voudra dire que tu auras progressé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, si tu as bien aimé mes explications, mets un pouce en l'air et dis-moi toi dans la barre des commentaires si tu as des questions à me poser autour de ce sujet. Dis-moi toi, comment est-ce que tu t'entraînes pour renforcer tes épaules à la maison? Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai déjà sorti des vidéos à ce sujet pour renforcer tes épaules en 5 minutes, muscler tes épaules en 5 minutes. Cette vidéo se trouve directement dans le descriptif de ma vidéo, mais également sur le bouton « i » là, qui s'affiche ici, en haut à droite de la vidéo. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !